Attends ici. Seigneur Joab. Oui. Le roi n'est pas sous sa tente. Il n'est pas sous sa tente? Non. Il ne peut pas être bien loin. As-tu bien exploré le campement? Oui, j'ai fait venir l'aide-de-camp que tu lui as signé. Je crois qu'il pourrait nous renseigner. Voilà l'homme en question. Tu es attaché à la personne du roi? Oui. Où se trouve-t-il? Je ne puis rien te dire. En tant que chef suprême, je te somme de me répondre. Le roi m'a ordonné le silence. Où est-il? Il est sorti avec une patrouille. Avec une patrouille? Avec quelle patrouille? Chaque nuit, on envoie des petites patrouilles pour sonder les murs de la cité. Et cette nuit, où est-elle allée? Cette nuit, elle explore le fossé du rempart nord. Une patrouille de 25 hommes sous le commandement d'Uri. Et tu ne l'as pas retenue? Je n'ai pu l'en empêcher. Nous venions d'expédier la dépêche. Le roi se tenait devant sa tente au moment où la patrouille passait. Il l'a suivi du regard, et soudain, il a pris son épée et a rejoint les hommes. Prends 100 de tes meilleurs soldats et rattrape-les. Seigneur. Aux armes ! Le roi. La centaine tira ! Aux armes ! Le roi de tout Israël partit là-bas dans la nuit, s'exposant inutilement à l'ennemi. Rampant sur le ventre comme un simple soldat. De tes armées. Mes ordres? Oui, je sais. Nous en parlerons plus tard. Entre. Oui. Je suis désolé d'avoir retardé votre souper. Assieds-toi, Uri. Personne ne va voir. Assieds-toi. David. Hein? Tu es blessé. Laisse-moi appeler le médecin. Non, non, laisse ça tranquille. Il y a fort longtemps que je n'ai versé mon sang. Je suis heureux de voir qu'il coule encore dans mes veines. Assieds-toi, Joab. Nous devons décider de notre stratégie car Rabat est bien défendu. Malheureusement, nous n'avons pas Josué parmi nous pour faire tomber les murs de la ville. Que ferais-tu, Uri? Je peux répondre des hommes. Chaque homme de cette armée serait heureux de mourir pour David. 1000 hommes tués et peut-être même plus. 1000 vignobles et 1000 troupeaux laissés à l'abandon. 1000 veuves éplorées, se lamentant sur mon chemin. Tu as une épouse, Uri? Oui, j'en ai une. Elle viendra en larmes sur mon seuil. Si la chance est contre moi. Non, non, c'est une certitude. À la guerre, les meilleurs meurent toujours les premiers. Alors ce seront des larmes de fierté. Tu es trop jeune pour comprendre les femmes et trop brave alors que moi je suis un lâche. Tu es un lâche? Mes hommes vont au combat en chantant un vieil hymne. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. C'était il y a longtemps, alors que j'étais chef d'une centaine, tout comme toi. Je n'étais pas roi. Tu me serviras mieux en restant en vie, Uri. Bien, Joab. Restez assis, continuez votre repas. Je retournerai à Jérusalem à l'aube.
roi de Juda et d'Israël. Longue vie à toi. Le pharaon d'Égypte envoie ses salutations à son frère bien-aimé. Le pharaon m'ordonne de me prosterner devant le grand roi. Et de lui présenter cet humble mais loyal témoignage de son amitié. Le roi d'Israël se glorifie de l'affection du pharaon. Mon bien-aimé frère le pharaon espère sans doute que je m'en trancherai la gorge. Nathan, le prophète de Dieu! Dieu accompagne David. L'Éternel accompagne toujours Nathan. Dieu accueille avec bienveillance ton projet de transporter l'Arche d'Alliance à Jérusalem. J'en suis heureux. Mais en ce qui concerne ton projet d'ériger un temple pour recevoir l'Arche, il m'a ordonné de te dire ceci. Ainsi a dit l'Éternel. Est-ce David qui me bâtirait une maison afin que j'y habite? Puisque je n'ai point habité dans une maison depuis que j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour, mais que j'ai vécu sous une tente. Et je dis, pourquoi ne m'avez-vous point bâti une maison de cèdre? Maintenant donc, tu diras à David, mon serviteur, je t'avais pris au pâturage d'auprès des brebis, afin que tu fusses le berger de mon peuple et chef d'Israël. Oui, oui, je te comprends. Dieu ne veut pas qu'on bâtisse de temple. C'est bien cela? Ce sont là ses paroles. Très bien, agis comme le dicte ton cœur. Comme Dieu le dicte. Tu es son prophète. Je te confie la tâche de transporter ici l'arche qui se trouve à Baal et Juda. Oh, mon père, écouteras-tu ma requête? Amenons, mon fils, tu n'as pas à solliciter l'audience. Tu m'as promis en tant qu'héritier d'Israël tous les champs de vignes au nord du mont des Oliviers qui vont jusqu'aux frontières d'Éphraïm. Et tu as fait don du grand champ de vignes de la route de Gépéon à Absalom. Est-ce vrai? Il y a un mois, il m'était promis, mais amenons les réclames. Je ne demande que justice. Et que demande Absalom? Justice aussi. Alors, quelle que soit ma décision, je serai injuste. Les champs de vigne appartiennent à Amnon. Merci, mon père. Viens avec moi. Il faut que tu comprennes mon embarras. Amnon est mon héritier, loin du Seigneur. Si jamais on apprenait que je t'ai favorisé, j'affaiblirais sa position devant le peuple. Nous savons qu'il a besoin de toute la puissance possible. Nous savons qu'il est incapable de te succéder. À cela, je ne puis rien. Tu pourrais moindre à sa place. Même si je le voulais, j'en serais empêché par la loi. La loi est l'essence même de notre peuple. Il lui est soumis. Il ne s'agit que d'un champ de vigne, Absalom. Je te donnerai à choisir parmi mes propres biens. Je ne désire que ce qui m'appartient. Tiens, prends ceci. Cette arme vaut bien 20 champs de vigne. Mical. Je ne pensais pas te trouver ici. Est-ce que ma présence déplairait au roi? Certainement. Tu es toujours la bienvenue. Si ma vue t'est à ce point agréable, pourquoi n'es-tu pas venu me voir depuis ton retour? Je suis tellement préoccupé. Tu es plus empressé auprès de tes autres femmes. J'étais la première. Maintenant, je suis la dernière. Si tu te tenais avec les autres, tu ne me ferais pas ce reproche. Mais tu te morfonds dans la solitude. Il fut un temps où ma réserve ne te déplaisait pas. Elle ne me déplaît pas à présent. Fais comme bon te semble. Avec quelle grâce tu donnes ta royale approbation? À quoi bon ce ton sarcastique? Nous savons que la royauté n'est qu'un leurre. Ce n'en était pas un quand mon père régnait. Je n'ai jamais nié que Saül fut un véritable roi. Et son successeur un véritable leurre. Là encore, je refuse de discuter. Crois-tu donc
en accrochant sa lance à ton mur, cela fait de toi un roi. T'en prie, Mikal. J'ai des messages à étudier. Oui, je comprends. David me chasse. Le fils du berger chasse avec mépris la fille de Saül. Il faut que j'aille attendre parmi les concubines. Ce sont mes épouses, Mikal. Et tu es mon épouse. N'est-ce pas suffisant? Pourquoi m'as-tu épousé, David? Pourquoi? Parce que je t'aimais. Tu mens. Tu n'as jamais aimé un autre que toi-même. David veut dire bien-aimé. David, le bien-aimé de David. J'ai gaspillé mon amour. Tu n'en avais que fait. As-tu la mémoire si courte? J'en eus grand besoin jadis de ton amour. Je t'avais supplié à genoux, mais tu m'as abandonné. Tu as refusé de me suivre en exil. Tu as même trahi ton serment et tu as laissé ton père te marier à un autre. Contre ma volonté. C'est facile à dire. Mais un amour profond aurait engendré une volonté plus grande. Alors pourquoi m'avoir reprise? Tu aurais dû comprendre. Sans la fille de Saül à mes côtés, les tribus du Nord ne m'auraient pas accepté pour roi. En te reprenant, j'ai fait l'unité d'Israël. Mikal, notre passion est à jamais éteinte. L'amour, la haine, le tourment et même la cruauté, à quoi bon nous torturer ainsi? Nous devons continuer à vivre, Mikal. Abishai. Il y a une maison, là-bas, sous ce grand térébinthe. La connais-tu? Oui, David, la maison d'Uri, le Hittite. Uri, le Hittite? C'est un capitaine de ton armée. Oui, je le connais. N'aurait-il pas par hasard une jeune sœur? Non, Seigneur, il a une épouse. Une femme de la tribu des Benjamites, elle s'appelle Bethzabée. Bethzabée. Quand j'ai inspecté l'armée, mon attention a été frappée par la bravoure d'Uri.
Je voulais lui remettre une récompense. Peut-être qu'en son absence, sa femme pourrait la recevoir. J'enverrai chercher cette femme demain à l'eau. Non, qu'elle vienne maintenant. Elle dînera avec moi ce soir. Bien, Seigneur. Tu ne manges rien. J'ai déjà dîné, Seigneur. Je dîne de bonne heure lorsque je suis seule. Une femme de soldat a de bonnes raisons d'haïr le roi qui la prive de la présence de son époux. Le roi agit comme il doit, pour le bien du royaume. Non, pas toujours. Ce vin vient de Phénicie. Je le trouve plus moelleux que le nôtre. Il a la douceur de l'air marin. As-tu vu les rivages de la mer? Non, Seigneur. J'ai vécu nombre d'années parmi les Philistins. Un peuple froid comme leur mère. Nous, Hébreux, sommes peuple du désert. Le vent qu'on y respire échauffe notre sang. Nos impulsions sont violentes comme le vent du désert. Nous vénérons Dieu violemment, nous aimons violemment, nous souffrons violemment. Même d'une souffrance passagère comme l'absence d'un être aimé. Depuis quand n'as-tu pas vu Uri? Nous sommes mariés depuis 7 mois. Et il n'est resté que 6 jours avec moi. Quelle déception pour tes espoirs de jeune épouse. Tu es généreuse de ne point me haïr. Je n'avais pas d'espoir. Je n'ai vu Uri pour la première fois que le jour du mariage, quand mon père me mena à sa demeure. Ces 6 jours sont donc la somme totale de votre amour. De notre mariage. Oui, Seigneur. Une des illusions de la royauté est de croire que la vertu peut être récompensée par une babiole. Combien Dieu doit s'amuser au spectacle des rois dépourvus de vertu, parents de verroterie et de métal, les hommes vertueux. La récompense de la vertu. Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai fait venir. Ma compréhension n'est pas nécessaire, Seigneur. Pourquoi? Tu es le roi. Quoi, c'est tout? Bethsabée, oublie le roi. Demande-toi si un homme peut se satisfaire d'une telle réponse. Quelle autre réponse puis-je te faire, Seigneur? Tu m'as fait venir et tu m'as fait connaître ta volonté. Que pourrais-je ajouter à cela? En Égypte, ça suffirait. Là-bas, le pharaon a certains droits. Il peut donner des ordres, mais moi, jamais je n'utiliserai mon pouvoir pour obtenir quoi que ce soit de force. Tout ce que je possède m'a été donné de plein gré. Librement, sans contrainte. Même Israël, j'ai refusé le trône jusqu'au jour où les anciens de chaque tribu sont venus me supplier de le prendre. J'ai mis une sorte de fierté. Ma fierté. À ne jamais m'imposer à quiconque. C'est pourquoi je me suis tu, tant que tu ne m'as pas dit qu'il n'y avait aucun amour dans ton mariage. Oui, tu m'as dit cela. Et Uri aussi. Il n'imagine la gloire que baignée des larmes de sa femme. Et maintenant, va-t'en. Oh non, garde ça. Ce n'est qu'une simple pierre, mais elle reflète ta beauté. Cet Uri est un fou. Lorsque je t'ai vu de ma terrasse ce soir,
J'ai aussitôt compris que chaque minute passée loin de toi serait une minute perdue. Et dire que lui n'a pu te consacrer que 6 jours en 7 longs mois. Le parfum de sa bien-aimée et la puanteur de la guerre. Un homme n'est-il fait que pour connaître l'agonie dans la bataille? Est-ce là la virilité? N'a-t-il pas de sang, pas de cœur? Maintenant, pars. Et remercie Dieu que je ne sois pas le pharaon. Du moins, me consolerai-je en me disant que ta pudeur va de pair avec ta beauté. Peut-être préfères-tu la vérité à la pudeur, Seigneur. Avant ton départ, je te guettais tous les soirs lorsque tu arpentais ta terrasse. Toujours à la même heure. Et toujours seule. Aujourd'hui, j'ai appris ton retour. Tu savais donc que tu serais sur ta terrasse ce soir. Oui. Je savais que jamais le roi n'avait trouvé de femme qui lui plaisait. En mon âme est né l'espoir d'être cette femme. Pourquoi ne me dire cela que maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Parce que d'abord, il me fallait connaître le fond de ton cœur. Si la loi de Moïse doit être bafouée, David, tout au moins bafouons-la en sachant ce que nous attendons l'un de l'autre. Non, je t'en prie. Je n'ai pas fini encore. Il y a des femmes que tu peux appeler puis renvoyer. Je ne suis pas de ces femmes. Que désires-tu, alors? Te plaire, David. Ne t'ai-je pas déjà fait comprendre que tu me plaisais? Je ne te renverrai jamais. Si c'est cela que tu désires, jamais, tant que je vivrai. Non, David, là n'est pas tout ce que je désire. Ne songe pas qu'à cette seule nuit, mais à tous les jours et à toutes les nuits à venir. Penses-tu que je satisferai tous tes désirs aussi longtemps que tu vivras en épouse? Mais tu n'es pas libre. Et si j'étais libre? Un roi ne doit pas avoir de désirs. Seul un fou peut affirmer cela. Alors, il y a l'amitié. J'avais un ami jadis, mais je l'ai immolé. Les autres qui se prétendent des amis, je ne vois jamais leurs yeux, je ne vois que leur tête humblement baissée devant moi. Leurs mains se tendent toujours vers moi, mais la paume en l'air, en solliciteur, même mes propres fils. Verrai-je tes yeux, Bethsabée? Tu les verras. Et ma main sera dans la tienne. Cela, c'est facile, David. Je ne suis qu'un homme, Bethsabée. J'ai besoin que quelqu'un comprenne cela. J'ai besoin d'être compris. Besoin de l'affection que seul un être humain peut donner à un autre. J'ai besoin de partager mon cœur. L'homme que j'ai vu de ma fenêtre n'était pas le roi, mais un homme dont le cœur vaut d'être partagé. David, ce pâtre va nous voir. Peu importe. Les bergers apprennent jeunes à connaître la vie.
Et toi, David? Et moi, quoi? Tu l'as connue jeune, la vie? Avant d'avoir 12 ans, je savais tout ce qu'il y avait à savoir de la vie. Et de la mort. À 12 ans, j'avais tué un loup. À 13 ans, un homme. Raconte-moi. Je ne parle pas des meurtres. Raconte-moi le petit garçon que tu étais. Cela n'aurait pas le moindre intérêt pour toi. Une femme s'intéresse à tout ce qui a trait à celui qu'elle aime. Particulièrement à ce qu'il était avant qu'elle le connaisse. J'aurais si peu à dire. J'étais un berger, comme il en est tant en Judée. Il dormait à la belle étoile. Rêvais-tu, David? De quoi rêvais-tu alors? Un homme n'a-t-il même pas le droit de garder pour lui ce dont il rêve? Alors tu rêvais de femmes? Naturellement. Toute une procession de femmes. Et toutes plus belles, plus ravissantes les unes que les autres. Je suis jalouse de chacune de ces femmes. Oui. Oui, l'année est bien sèche. Les bergers se dirigent très tôt vers les puits. J'ai connu quand j'étais petit une année où même les puits étaient taris. En plein été, nous égorgeâmes les moutons, n'épargnant que les jeunes brebis. C'est l'année où j'ai dû combattre les loups. Raconte-moi. Leur force était décuplée par la faim. J'ai combattu 8 heures avec ma fronde. Au matin, j'en ai trouvé 6 tués. Et tu n'étais qu'un enfant. Oh, j'étais très adroit avec ma fronde. Tiens, tu vas voir. Veux-tu me prêter ta fronde? Tiens, cet arbre, regarde. Eh bien, vas-y, si tu crois que tu peux faire mieux. Oui. Oui, je manque d'entraînement. David, as-tu vraiment tué Goliath? Après cette démonstration, comment peux-tu en douter? Était-il aussi énorme qu'on le dit? Eh bien, je dois avouer qu'il grandit un peu plus chaque année. Oh, voilà sa mère. Elle s'est prise dans les ronces. Attends, je vais t'aider. Je te remercie. Là, maintenant dégageons ses pattes de derrière. Oh. Non, non, des deux mains. Et voilà,
suis un vieux soldat. J'ai combattu pour le roi. David? Non, pas lui. Pour le roi. Le roi Saül. J'étais à sa dernière bataille. Là-bas, sur le mont de Gilboa. C'est paisible à présent. Un bon pâturage, bien qu'on manque de pluie cette année. Mais ce jour-là, c'est du sang qui pleuvait. Oui, j'ai vu mourir le roi. Il tomba sur son épée quand il vit que la bataille était perdue. Dis-moi, as-tu vu aussi mourir son fils, Jonathan? Oui, je l'ai vu. Tu vois ce rocher, celui qui fait saillie au flanc de la montagne. Le plus grand, celui que le soleil frappe. Le prince Jonathan s'y tenait. Un ami fidèle à chacun de ses côtés. Il se battit toute la journée. Ses amis morts, il continua à se battre, seul contre 10. Ensuite, seul contre 100. Jusqu'à ce qu'il l'ait submergé, ce philistin. Ces barbares avec leurs casques de bronze. Ah, ce fut une sombre journée pour Israël. Le roi mort, Jonathan mort. Personne digne de prendre leur place. Mais Israël trouva un roi en David. Saül était roi. Jonathan devrait l'être aujourd'hui. Viens. Merci, Seigneur. Merci de tout cœur. David. Viens. Il se fait tard.
Jonathan. Jonathan! Comment sont tombés les hommes forts au milieu de la bataille? Oh, Jonathan, tu es tombé sur ces collines. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Jonathan, tu faisais tout mon plaisir. L'amour que j'avais pour toi était plus grand que celui des femmes. Comment sont tombés les vaillants? Comment se sont perdues les armes de la guerre. J'ai reçu ton message. Suis-je arrivé à temps? Oui, Seigneur. La caravane approche de Jérusalem. Regarde, Bethsabée. Regarde l'Arche d'Alliance, l'autel qui a voyagé avec notre peuple dans toutes ses pérégrinations. Je l'ai fait venir ici où doit s'élever son temple. Monte, Abishai. Je vais au-devant de Nathan. Tu reconduiras Bethsabée. Pitié! À toi de jeter la première pierre. Non! Adultère, Seigneur. Elle a trompé son mari dans les bras d'un autre. On l'a jugé et condamné selon la loi. Va, bravo, Pagla. Allez! Thank you.
Seigneur. Salut, Nathan. Les voix de l'Éternel sont étranges, Nathan. Regarde comme ce coffre de bois a survécu aux êtres de chair qui l'ont construit, qui l'ont sauvegardé, qui l'ont vénéré. Quelle pitié qu'il soit muet et aveugle et ne puisse nous parler de nos morts de jadis. De Moïse sur le mont Nebo, de Myriam et d'Aaron, de Josué sous les murs de Jéricho. Non, David! Ne tente pas les foudres de l'Éternel. Sa demeure ne doit pas être profanée par des mains non consacrées. La toucher, c'est mourir. Comme tu voudras, Nathan. Regardez et soyez témoins, afin que le peuple connaisse la volonté de Dieu. L'heure n'est pas venue pour l'arche de pénétrer dans la cité. Qu'on détache les bœufs et qu'un tabernacle soit érigé en cet endroit. Que l'arche demeure ici, en dehors des remparts, tant que ne sera pas apaisé le courroux de l'Éternel. Bethsabée, tu n'aurais pas dû venir ici. Il le fallait. Je ne pouvais attendre. David, je t'apporte le tourment. Notre secret n'est plus un secret. Qui le connaît? Personne encore, mais bientôt ceux qui ont des yeux verront. J'ai maintenant la confirmation de ce que je redoutais. Je porte un enfant. Ma bien-aimée. Ne verse pas de larmes. Tu ne m'apportes que la joie. Quel homme ne se réjouirait d'apprendre que sa femme va lui donner un enfant? Je ne suis pas ta femme. Si, tu es ma seule femme. Je t'en prie, bien-aimée. Ne tremble pas. Je ne tremble pas pour moi. Tôt ou tard, nous partirons tous pour Skeol. Mes larmes sont pour notre enfant qui ne verra jamais la lumière. Bethsabée, écoute-moi bien. Tu ne mourras pas. La loi veut que je meure. Il n'oserait pas, je suis le roi. Il n'y a pas 50 ans que les Israélites ont un roi. La loi de Moïse existe depuis des siècles. Alors je leur abandonnerai leur royaume. Toi et moi, nous fuirons en Égypte. Non, David. Ta vie est marquée, ton destin est tracé. Tu ne peux rien changer aux voies de l'Éternel. Il existe un autre moyen. Uri.
Uri est un soldat. Chaque jour, des soldats meurent dans la bataille. Et pas toujours de l'épée de l'ennemi. Non, David. Notre amour ne pourrait supporter le poids d'un tel crime. Le crime réside dans le destin qui m'a fait naître hébreu. Dans toute autre nation, l'existence d'Uri ne compterait que fort peu. Ce serait malgré tout un crime. Si je le faisais appeler, si je lui disais tout, la vérité. Nous savons ce qu'il répondrait. Oui, l'honneur est tout, la générosité n'est rien. Pour l'honneur, il faut répandre le sang, sacrifier l'amour, renier l'humanité. J'imagine très bien Uri, courant aux portes de la ville, impatient de jeter la première pierre. Seigneur, qui a dit Abishai? Les ordres pour Joab. Ne les envoie pas encore. Il se peut que j'y ajoute un message. Oui, Seigneur. Il reste une issue. Peut-être cela ne résoudra-t-il rien. Mais cela nous fera gagner du temps. Si nous pouvons persuader Uri que l'enfant est de lui. Mais il est absent depuis près d'un an. Je l'enverrai chercher pour l'interroger sur la guerre. Il viendra passer une nuit à Jérusalem. Peut-être deux. Tu me disais ta femme. La loi te dit sienne. Cela n'est pas digne de toi, David. Mon cœur se déchire de suggérer une telle chose. Mais ta vie en dépend, ma bien-aimée. Oui, ta vie. C'est infâme ce que tu me demandes. Il n'est pas d'infamie, ni d'action assez vile que je ne sois prêt à commettre pour sauver mon amour.
tard et le voyage a dû fatiguer notre hôte. Bonne nuit, Amnon. Viens, Uri. Absalom, mon fils, ça fait fort longtemps que nous ne t'avons vu au palais. J'étais en Judée, seigneur. Je soignais mes vignes. Et comptes-tu obtenir un bon rapport de tes vignes? Je n'ai nulle raison de me montrer mécontent, père. Une si mauvaise année? Tu mérites d'être félicité. J'aimerais te parler seul à seul, Uri. Je suis ton serviteur, seigneur. Je ne te retiendrai pas longtemps. Tu dois avoir hâte de rentrer chez toi, auprès de ta femme. Tu disais que Joab avait prévu l'assaut pour après-demain. Oui, seigneur. Joab semble être confiant dans l'issue du combat. Il promet de te livrer Rabba dans une semaine. Si tu le permets, seigneur, je voudrais retourner au camp à l'aube demain afin de conduire ma centaine à la bataille. Comme il te plaira. Abishai te remettra des dépêches pour Joab. Mais si tu désires rester à Jérusalem plus longtemps... Mon seul désir est de servir mon roi. Je suis prêt à te croire. Mais tu oublies que tu as une femme. Ma femme n'est rien, seigneur, à côté de mon devoir. Assieds-toi, Uri. On dit que ton épouse est fort belle. Oh, comme bien des femmes. Une femme n'a pas toujours le même sentiment du devoir que son époux. As-tu jamais essayé, as-tu jamais songé à te mettre à sa place? Non, seigneur. Mais supposons que tes désirs et les siens soient opposés. Une femme doit toujours être de l'avis de son époux, seigneur. Telle est la loi. La loi. La loi ne peut régir que nos actes, pas nos pensées. Que pense ton épouse, Uri? Oh, je l'ignore, seigneur. Est-il possible que tu la croies dépourvue de pensées ou de sentiments? Une femme est faite comme toi et moi de chair et de sang. Plus même, probablement, car hors son rôle de mère et d'épouse, nous lui accordons que peu de liberté. Dans toute notre histoire, seule une poignée de femmes ont pu inscrire parmi ceux des hommes leur nom sur les pages de la renommée. Myriam, Déborah, Jaël, peut-être une ou deux encore. Une femme doit se consacrer à son époux. Et sa vie est son amour. Mais si son époux rejette son amour, ou s'il préfère un autre amour au sien, s'il lui refuse la seule et unique raison qu'elle a de vivre, alors n'est-elle pas excusable d'aller chercher cette raison ailleurs? Auprès d'un autre homme? Oui. Alors elle transgresse la loi. Mais son époux peut avoir pitié d'elle. D'après la loi, lui seul a le droit de la condamner. Alors il a le double devoir de s'assurer que la loi est appliquée. Condamnerais-tu ta propre femme, Uri? Bethsabée? Mais c'est une chose impossible. Mais si c'était chose possible? Je n'hésiterai pas devant mon devoir, seigneur. Ainsi, tu la condamnerais à la plus horrible des morts. Tu laisserais le peuple la chasser comme une chienne, à travers les rues, jusqu'aux portes de la ville. Lui jetant la pierre, meurtrissant sa chair, et... Oui, seigneur. Si elle avait transgressé la loi. Je t'ai trop retenu loin de ta couche, tu peux partir. Seigneur, m'accorderas-tu une faveur? Que désires-tu? Quand Abishai préparera les dépêches, qu'il dise ceci à Joab en ton nom. Place Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille, afin qu'il serve son roi au mieux de ses moyens. Je vais y réfléchir, Uri. Merci, seigneur.
Tu veilles tard, David. Toi aussi. Je pensais pouvoir réconforter mon époux. C'est une terrible chose de savoir sa bien-aimée dans les bras d'un autre. Ne cherche point à mentir. Tu vois, je sais ton secret. Le tien est celui de Bethsabée. Non, tu ne sais rien. Une femme a des servantes. Ces servantes parlent à d'autres servantes qui, à leur tour, le répètent à leur maîtresse. Ainsi, la fille de Saül bâtit un conte sur des bavardages de servantes. L'état de Bethsabée n'est pas un conte. Et l'enfant qu'elle porte est de toi. Oh, mon époux, j'ai vite compris pourquoi tu as fait venir Uri. Seul David pouvait concevoir ceci. Une ruse habile. Digne du fils d'un gardeur de chèvre. Va-t'en. Tu ne peux plus sauver Bethsabée. Ton plan a échoué. Uri n'est pas rentré chez lui cette nuit. En ce moment, il repose ici, au palais, parmi les officiers de ta garde. Le roi, pardonne-moi, Seigneur. J'ai trop dormi. Je t'avais dit de rejoindre ta femme. J'implore ton pardon, Seigneur. Je ne pouvais rejoindre ma femme. Et pourquoi? Pour pouvoir tenir un serment que j'ai fait. Peut-être jugeras-tu ma conduite stupide, mais quand Joab m'a ordonné de partir pour Jérusalem, j'ai fait un serment sur mon épée. J'ai juré qu'aussi longtemps que l'armée coucherait sous la tente, que Rabba défierait la volonté de l'Éternel, je ne saurais profiter du confort et des plaisirs qui m'attendent chez moi. Je me garderai pur pour le combat comme pour pénétrer dans le tabernacle de l'Arche. Que mon roi me pardonne si je l'ai offensé. Si les dépêches sont prêtes, je vais partir. Pauvre fou, stupide et aveugle. Seigneur, les dépêches pour Joab, Seigneur. Les dépêches, dois-je les remettre à Uri? Non. Il y a un ordre à ajouter. Place Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille. C'est son propre désir, Abishai. Ce sont ses propres mots. Est-ce tout? Non. Je n'ajouterai pas l'hypocrisie à mes autres péchés. Même si Joab devine mes intentions, je ne puis lui demander de porter le poids de ma faute. Voici mon ordre. Place Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille, et retire-toi de lui afin qu'il soit frappé et meure. Oui. Tu y mettras mon sceau, et tu le confieras à Uri. Oui, Seigneur.
Ô roi, nous t'apportons une grande nouvelle. Les murs de Rabba sont enfoncés. À notre départ, on se battait dans les rues de la ville. Joab te prie de venir en toute hâte à Rabba pour recevoir la capitulation de tes ennemis. Et nos morts? Nous avons subi de lourdes pertes. Parmi les chefs de milliers, Abimelech, le fils de Jérubal, et Élec, le fils de Ikesh. Parmi les chefs de centaines, Ezro, le carmélite, Igal, le fils de Zélec, Ikaï, le fils de Ribaï, Abiel, l'arbatite, Eliam, le fils de Ruben, Shamma, le hararite, Uri, le hittite, Bani, le gadite, Asmavet, le fils d'Eli, et beaucoup sont blessés. Comment Uri le Hittite est-il mort? Il y a eu confusion dans les ordres, Seigneur. Uri s'est porté trop en avant dans la brèche et fut coupé du gros des troupes. Quand tu te seras restauré et reposé, tu retourneras à Rabba. J'irai avec toi. Seigneur. David, la servante de Bethzabée est là qui attend ta réponse. Va chez Bethzabée. Annonce-lui qu'Uri est mort. Dis-lui de se préparer à m'épouser lorsque sera terminé son mois de deuil. Tu ne veux pas lui parler toi-même? Non. Oui, je frapperai Israël pour avoir péché contre moi. Malheur à Israël. Malheur à mon peuple qui a péché. Quel péché, Nathan? L'Éternel n'a pas cru devoir m'en confier la nature. Mais le péché doit être très grave pour nous valoir son courroux. Il lui en faut beaucoup pour se fâcher. Quand Uzza a voulu retenir l'arche, il ne cherchait qu'à la protéger. Nous n'avons pas à discuter les voies de l'Éternel. Je ne discute rien. Pourtant, il faisait chaud ce jour-là. L'homme avait beaucoup bu. Tous ont été ébranlés quand les bœufs regimbèrent. Ne serait-il possible que cet homme soit mort tout simplement d'une cause naturelle? Toute cause vient de Dieu, David. On a déjà connu la sécheresse. J'achète du grain en Égypte et aux Philistins. La subsistance de tous sera assurée jusqu'au retour de la pluie, du sèche-vide et mon trésor. Que puis-je faire de plus? Autre chose encore? Oui, Seigneur. Je me suis tenu sur le seuil du palais pour écouter le peuple parler de son roi. Eh bien, que dit-il, Nathan? Il dit que David n'est plus David. Il dit que le roi néglige ses tâches, qu'il est souvent absent de la ville. Quand il y est, il détourne les yeux de son peuple. Les porteurs de suppliques sont renvoyés du palais sans être entendus. Dans une mauvaise année, il est normal qu'on se plaigne. Qu'on se plaigne, oui, Seigneur. Mais sans parler ouvertement de déposer le roi. Explique-toi, Nathan. Le cœur du peuple d'Israël se tourne vers ton fils. Il m'est difficile d'imaginer ce pauvre Amnon gagnant le cœur de quiconque. Pas Amnon, ton deuxième fils, Absalom. Cet enfant? Chaque jour, il est devant le palais, s'adressant à ceux que tu as repoussés. À ceux-là, il dit,
Oh, que ne suis-je le juge en ce pays, afin que tous viennent à moi et obtiennent justice. Cantonne-toi uniquement dans les affaires de Dieu. Quant aux affaires du royaume, je m'en charge. Seigneur. Roi Abishai, j'ai des ordres pour Joab. Le roi oublie qu'il est aussi un serviteur de l'Éternel. Nous attendent. Et moi, j'ai attendu des jours, des semaines. J'ai attendu un mot de celui qui m'appelait sa bien-aimée. Un mot prouvant que ses promesses n'étaient pas des mensonges. Sa bien-aimée. Ne m'appelle pas ainsi. Ce mot lui-même est un mensonge. Si tu m'aimais encore, tu ne m'aurais pas évité. Tu ne m'aurais pas laissé dans les ténèbres, seul avec mes craintes. Tu sais qu'on m'a appelé à Rabba. Tu es revenu depuis 8 jours. Les prêtres nous attendent. Qu'ils attendent. Il n'y aura pas de mariage. Je n'essaierai pas de justifier ma conduite. Mais même si j'ai mérité ta haine, tu sais pourquoi nous devons célébrer ce mariage. Je trouverai aisément plus de courage pour affronter les pierres des lapidateurs. Si notre mariage n'est qu'un simple geste de pitié de ta part, alors dis-le. Dis-le-moi, si tu ne m'aimes plus. Et je ne t'importunerai pas plus longtemps. Je ne suis pas une mendiante, David. Bien-aimé, c'est moi qui suis un mendiant. Je mendie ta patience. Si tu m'aimes, ne dis plus rien. Crois à mon amour. Il est à toi. Et sera toujours à toi. Viens, mon épouse.
Bethsabée. Il faut appeler le roi s'il veut revoir son fils vivant. Appelle-le. Seigneur. Ton épouse Bethsabée réclame ta présence. L'enfant va mieux? Non, Seigneur. Les médecins se déclarent impuissants. Ils disent qu'il mourra. Je sais. Je le sais depuis 7 jours déjà. J'ai couché sur le sac et sur la cendre. J'ai jeûné, j'ai essayé de prier. Mais mes prières n'étaient que des mots. De pauvres mots tombant dans du vide. Seules mes oreilles pouvaient les entendre. L'ambassadeur du pharaon est arrivé. Dois-je le renvoyer? Non, je vais le recevoir. Le temps des lamentations est passé. Pourrais-je faire revenir mon fils avec mes larmes? Non, je m'en irai vers lui. Mais lui ne reviendra pas vers moi. Pharaon saigne pour son frère et pour le peuple d'Israël. Mais hélas, les greniers du Pharaon sont vides. Ils contiennent à peine assez de blé pour nourrir l'Égypte. Le cœur du grand Pharaon ne peut saigner car il est de pierre. Et les greniers de l'Égypte sont pleins. Par notre Dieu Osiris, je jure que je dis la vérité. Si un Égyptien tu mens, et ton maître ment aussi. Ça ne me surprend pas, d'ailleurs. La charité ne se trouve pas parmi les vertus des adorateurs de vautours et d'hyènes. Retire-toi! Nathan, le prophète de Dieu! De la justice au roi. Écoute et rends ton jugement. Tu peux parler.
Il y avait deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du gros et du menu bétail. Mais le pauvre ne possédait qu'une petite brebis. Elle avait grandi chez lui avec ses enfants, mangeant de ses morceaux et buvant de sa coupe, et elle était pour lui comme sa fille. Un voyageur passa et demanda de la viande à l'homme riche. Mais l'homme riche épargna son gros et son menu bétail, et n'en a point apprêté. Mais il a pris la brebis de l'homme pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Quelle sentence prononces-tu contre cet homme? Il devra rendre la brebis et trois autres. La brebis est morte, il ne peut donc la rendre. Alors l'homme mérite la mort, parce qu'il fut sans pitié. Tu es cet homme. Tu m'as fait prononcer une sentence contre moi-même. Soit, Nathan. J'ai décidé. Et il n'y a pas d'appel. C'est la volonté de Dieu et je l'accepte avec joie. La volonté de Dieu n'est pas que tu meurs, David. Digne ou indigne, tu es loin de l'Éternel. Par Samuel, il t'a choisi pour conduire son peuple. Tu n'as pas achevé les tâches qu'il t'a confiées. Mais tu ne peux échapper au châtiment de l'Éternel. Je n'y ai point échappé. Mon fils est mort. Sa justice n'est pas encore satisfaite. Tu as payé pour ton adultère, mais tu as aussi tué. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite, pour satisfaire ton stupre. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu connaîtras la haine et l'ingratitude de ton propre sang. Le frère luttera contre le frère et le fils contre le père. L'histoire de la maison de David sera écrite dans le sang de David. Tu ne m'apprends rien de nouveau. Je m'en accommode. Même ainsi, la dîme du Seigneur n'est pas encore payée. La femme a été dénoncée, elle doit aussi expier sa faute. Elle a perdu son fils. Cela n'est-il pas suffisant? Bethsabée a péché, et elle doit subir son châtiment selon la loi de Moïse. C'est moi le responsable de la mort d'Uri, c'est moi et moi seul. Elle fut une épouse infidèle. Elle n'a été infidèle que par ma faute. Pouvait-elle rejeter son roi quand je l'ai mandé? Pouvait-elle refuser de m'obéir? Non, Bethsabée refuserait de mentir. Et je ne mentirai pas pour elle. Mais même si elle a péché, elle n'a jamais fait le mal. Elle m'a apporté amour et tendresse. Elle m'a réconforté le cœur. Elle n'a pas entraîné le mal. Elle a entraîné l'adultère et le meurtre. Elle a entraîné la sécheresse et la famine. Et provoqué la colère de Dieu contre Israël. Ils connaissent la loi, tout comme toi, David. Oui, je connais la loi. Où sont les accusateurs? La loi exige qu'ils jettent la première pierre. Où sont-ils, ceux qui affirment que j'ai connu Bethsabée avant notre mariage? Qui osera me le dire en face? Il n'y a donc pas d'accusateur. Tu n'en as pas un seul. Michael. Je n'ai pas le cœur de te reprocher le geste que tu as fait. Mais toi, Absalom, mon fils, ai-je donné une raison de me haïr ainsi,
Pas, David, va chercher Bethsabée pour qu'elle affronte ses juges. Tu as fait d'elle une reine d'Israël, épargne-lui d'être traînée en jugement par le peuple. Abishai, va aux écuries et celle des chevaux. Conduis-les à la grille du jardin. Oui, Seigneur. Non, pas par là, vous te verrez. Fais le tour par la terrasse. Nous aurons quitté la ville avant qu'on ne s'aperçoive de notre départ. David, le palais est cerné. Alors appelle ma garde. Ma garde, au moins, je peux me fier à elle. Va, va! Non, David. Nous ne pouvons lutter contre la volonté de Dieu. Un Dieu qui punit les innocents? Je ne suis pas entièrement innocente, David. Maintenant, je sais comment Uri est mort. Je le savais déjà, je crois, avant notre mariage. Je savais, mais je me suis interdit d'y penser par manque de courage. Je suis aussi coupable que toi. Plus même, puisque je t'ai laissé porter seul le poids de la faute. C'est moi qui l'ai tué. Mais je voulais sa mort. Dieu lit dans nos cœurs, David. Je suis prête. Je ne peux te livrer à la foule. Je ne puis te laisser mourir. David. Bien-aimé. Depuis que je te connais, jamais encore tu n'as joué pour moi. Un air de ton enfance. Quand tu gardais tes brebis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassureront. Tu prépares la table devant moi.
présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, la bonté et la pitié m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. À jamais. J'ai écrit ce psaume. J'avais foi en un tel Dieu. Mais je n'étais qu'un ignorant petit pâtre. Il n'y avait personne pour m'enseigner Dieu. Je l'ai appris moi-même. Et je l'ai vu. Dans les collines. Dans les arbres. Dans le miracle de la naissance des brebis. J'apercevais sa pitié quand les loups fuyaient loin des pâtures épargnant mes troupeaux, quand le printemps faisait fondre la neige et la glace, quand le vent frais soufflait après une journée torride. J'ai vu sa splendeur dans la beauté des fleurs sur les collines, dans les étoiles brillant dans le ciel. Je retrouvais sa main sur toute chose. Puis je me suis éloigné de l'Éternel. Et lorsque j'ai cherché à le retrouver, je l'avais perdu. Quelque part à la cour de Saül, à moins que ce soit dans le désert pendant mon exil, ou dans le camp des Philistins. Son image s'affaiblissait aux lumières de la ville, et sa voix se noyait dans les querelles et les intrigues des ambitieux et des puissants. Et voilà que Nathan l'a retrouvé pour moi. Non pas le Dieu de mon enfance, mais un Dieu sans pitié. Un Dieu assoiffé de sa seule justice. Tu dois donc mourir. Comme est mort le soldat qui voulait empêcher l'arche de tomber. Il posa ses mains sur l'arche comme ceci. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tous ceux qui acceptent sont là, Seigneur. Ils nous suffiront. Montez la garde à la porte et abattez quiconque voudrait entrer. Vous deux à droite de la porte, deux à gauche, deux près du mur, deux autres sur les marches, et vous devant cette porte. Où est Bézabé? Elle ne viendra pas.
as entendu la parole de Dieu. J'ai entendu celle de Nathan. Tu m'as dit que Dieu demande la justice. Je le crois volontiers. Je ne peux croire qu'il condamnerait une femme sans défense pour un crime qu'elle n'a pas commis. Où vas-tu, David? Je vais au tabernacle. Si Dieu est tel que tu le dis, si telle est vraiment sa justice, alors qu'il me parle lui-même. Iras-tu en colère devant lui? L'Éternel ne m'a montré que colère. Il a détourné son visage de moi. C'est David qui avait détourné son visage de Dieu. Il y avait autrefois un David qui savait prier, un David qui ne quémandait rien de la main de Dieu, qui puisait sa force uniquement dans la foi. Si ce David existe encore, son Dieu ne lui refusera pas sa pitié. Éternel, Dieu que je vénérais enfant, entends ma prière. Que tes yeux, qui seuls discernent tout, se posent sur ton indigne serviteur. En toute chose, j'ai failli envers toi. Ma vie est un désert. Mes crimes sont nombreux et terribles. À mes fils, j'ai transmis le péché que je porte dans mon sang. J'ai conduit mon peuple à la misère, à la disette. Je t'ai invoqué avec ingratitude, et j'ai trahi ta confiance. J'ai été un mauvais berger. Pardon. Je ne suis que poussière à tes yeux. Je suis moins que la plus vile des créatures rampant sur la terre. Et pourtant, Seigneur, je suis aussi ta créature. Ne retire pas
Ne retire pas ton esprit de moi. Cet esprit qui m'accompagnait dans le désert. Je ne demande rien pour moi-même, ô Seigneur. Par mes péchés, je me suis égaré au-delà des limites de ta miséricorde. Mais accorde-la à ton peuple qui souffre en ce moment pour mes crimes. Pardonne-leur la faute qui n'est pas la leur, mais la mienne. Que la terre que tu as donnée à leur père regorge à nouveau de ton abondance. Et que Bethsabée vive pour célébrer ton nom et témoigner de ta pitié. Montre-lui l'immense bonté de ton cœur. Lave-la de son péché. Et que ton châtiment retombe sur ton serviteur qui l'a mérité. Ne regarde pas le pécheur qui se trouve devant toi, mais vois l'enfant qu'il était autrefois, qui t'aimait et qui serait mort pour toi. Rapproche mon cœur du sien. Fais revivre cet enfant dans son innocence. Accorde-lui ta pitié et prends la vie de David. Troupeau. Le prophète est là, le prophète Samuel lui-même. On dit qu'il vient choisir un roi pour Israël. Eliab, Abinadab, Shammah. L'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. Tout père serait fier de tel fils. Tu as raison d'en être fier, Jessé. Mais l'Éternel ne juge pas comme les hommes. Car les hommes se fient à l'apparence. Et l'Éternel sonde les cœurs. Qui est ce garçon? Mon plus jeune fils, David, qui paie les brebis. Mais ce n'est qu'un enfant. Un rêveur, un chanteur de chansons. Viens près de moi, David. L'Éternel a choisi. Honore Dieu, David. Marche dans sa lumière. Et tu le serviras comme peu ont eu l'occasion de le servir. C'est le géant de Gath, Seigneur, qui nous met au défi de lui envoyer un homme pour décider de la bataille. Voilà 40 jours qu'il nous provoque ainsi.
Nos guerriers tremblent comme des chiens à sa voix. Il faut relever son défi ou nous sommes perdus. N'y a-t-il donc personne dans les rangs d'Israël pour affronter cet homme? Saül, si Goliath n'était qu'un homme, nous serions tous prêts à l'affronter. Mais il n'est pas un homme comme nous autres. Il mesure 6 coudées et 1 empan. Et sa lance est comme un ensouple de 10 rangs. Ce sont des chiens pour fuir ainsi devant un Philistin. N'a-t-on plus de courage en Israël? Seigneur, le courage ne suffit pas. Aucune flèche ne peut percer son armure. Son allonge empêche le glaive de l'atteindre. Il jette son javelot à 100 coudées de distance. Nous nous disons le peuple élu de l'Éternel. Laisserons-nous les ennemis de Dieu asservir Israël, faute d'un homme sachant combattre? Seigneur, j'affronterai Goliath. Qui a parlé ainsi? Qu'il vienne devant moi. David, mon porte-bouclier? Je l'affronterai, Seigneur. Saül, Samuel appelle cet enfant loin de l'Éternel. Si tu lui permets d'affronter le géant, la prophétie de Samuel sera confirmée ou infirmée. David, va affronter Goliath. Non, David, père, David est mon ami. Silence, Jonathan. Va, David. Que Dieu t'accompagne, David. Fils un chien. Comment envoyer un enfant avec un bâton? Viens à moi, téméraire. Viens à moi, jeune téméraire. Oh, mon père, laisse-moi combattre à la place de David. Non, Jonathan. Que les Philistins démontrent la folie de la prophétie de Samuel. Thank you.
Nul homme ne peut espérer connaître la vraie nature de Dieu, mais il nous a laissé entrevoir son visage.